parti. Bonjour à tous et bienvenue ce soir pour un débat en direct et en vidéo avec Philippe Marini, président de la Commission des Finances au Sénat. C'est la première fois en France qu'un responsable politique dialogue en direct avec les internautes à travers une vidéo bulle Google+. Et Google sera d'ailleurs au cœur de notre rendez-vous à plusieurs titres puisque nous évoquons ce soir la fiscalité numérique. Avec nous ce soir pour échanger avec le président Marini, nous recevons des experts du web en la personne d'Antoine Bayer, rédacteur en chef du Lab d'Europe 1, le blogueur et consultant Erwan Gaucher, spécialiste des médias et des questions numériques, et Guillaume Champeau, rédacteur en chef de Numérama. Alors Philippe Marini a publié un rapport qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. Il s'intitule « Une feuille de route pour une fiscalité numérique neutre et équitable ». Il nous parle de taxes sur les régies publicitaires en ligne, la fameuse taxe Google 2.0, mais aussi de propriété intellectuelle, un enjeu très fort du numérique. Antoine Bayet, je vous laisse la parole puisqu'il me semble que vous souhaitiez évoquer en introduction le travail sénatorial mené sur ce rapport. Effectivement, bonsoir à tous. Sur ce rapport et plus généralement, j'ai envie de poser une petite question humaine. Philippe Marini, ce n'est pas la première fois que vous parlez de taxes Google. Vous êtes connu pour cela, vous l'avez proposé il y a ça dans un premier contexte quelques années. Je voudrais savoir ce qui, vous, en tant que sénateur, vous a conduit à travailler sur les questions numériques, première question. Et je voudrais savoir comment on travaille concrètement pour élaborer un rapport sénatorial. J'imagine que vous allez rencontrer des régies, vous allez rencontrer des annonceurs, vous allez rencontrer tout un tas d'acteurs du numérique. Et vous allez à l'étranger aussi, je crois. Vous vous inspirez pas mal de l'Allemagne dans votre dernier rapport. Je voudrais savoir très, très simplement comment on vous reçoit. Est-ce qu'on vous reçoit comme le petit Français qui veut se faire Google? Comment ça marche? Alors, tout d'abord, la Commission des finances du Sénat, lorsque j'en étais le rapporteur général avant 2011, s'était déjà investi plusieurs années dans ces sujets. L'origine de notre préoccupation, c'est la situation des finances publiques. C'est notre souci de voir les assiettes fiscales les plus modernes, les plus évolutives, échapper à une taxation équitable. C'était cela notre premier angle d'attaque en 2009. Comment avons-nous travaillé? Nous avons travaillé d'abord en ayant recours à des experts extérieurs, à des professionnels. C'était le cabinet Greenwich Consultants qui a effectué pour nous les premiers travaux, lesquels ont donné lieu à des comptes rendus publics, en audition publique, en 2009, en 2010, en 2011. Puis, devenu président de la commission, un tout petit peu plus disponible, parce que c'est un rôle un peu moins astreignant que celui de rapporteur général, je me suis concentré sur ce sujet. J'ai reçu de très nombreuses personnes, j'ai auditionné dans mon bureau ou en réunion de très nombreux acteurs de ce système et j'ai fait toute une série de déplacements, par exemple Dublin pour visiter le siège Europe de Google, par exemple Londres pour poursuivre des contacts avec les milieux parlementaires, Rome de la même façon, Bruxelles pour participer à un forum qui était organisé par des professionnels, des grands groupes de services d'information et de services culturels européens. Et enfin, en dernier lieu, Bruxelles, où je suis bien tombé, puisque c'était quasiment au lendemain de l'examen par le Bundesrat du texte concernant les droits voisins aux droits d'auteur, en d'autres termes, ce qu'on appelle outre-Rhin la Lex Google. Et on aura l'occasion d'y revenir à cette Lex Google. On va commencer d'ailleurs dès à présent, donc merci pour cet aperçu passionnant du travail sénatorial. Et justement, nous allons passer au premier volet de ce débat, puisqu'il s'agit des questions juridiques de la fiscalité numérique. Et je vais laisser la parole à Guillaume Champeau, puisque justement, je crois, Guillaume, que vous avez une question sur la Lex Google.
Oui, bonjour, bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Effectivement, bon, sur l'Alex Google, je sais qu'on n'est pas sur le domaine de la fiscalité, puisqu'on parle plutôt d'une redevance de droit d'auteur. Mais j'ai un peu une question de méthodologie et de priorité. Vous savez que l'Alex Google, comme on la baptise, oblige à créer, pour justifier la redevance, un nouveau droit, qui n'est pas un droit d'auteur, qui est un droit voisin, qui est un droit supérieur au droit d'auteur, qui vient protéger des œuvres, des contenus qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur, ou en tout cas, qui vient ajouter des interdictions à des choses qu'on a le droit de faire avec le droit d'auteur. Je voulais vous demander, au nom de la fiscalité, au nom de la rémunération des contenus, au nom de la rémunération de la presse, jusqu'où on peut aller, en tant que parlementaire, dans la protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Où vous situez la ligne rouge entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire? Alors, il faut bien distinguer, en effet, comme vous venez de le faire, l'approche fiscale, l'approche juridique. Ce sont deux approches complémentaires. Les Allemands ne raisonnent pas tout à fait comme des Français et vice-versa. En Allemagne, la première approche, à la demande des milieux de l'édition, ils sont sans doute sensiblement plus puissants du point de vue des intérêts économiques qu'ils représentent, que ce n'est le cas de ce côté du Rhin. Donc, en Allemagne, on a exploré en premier lieu l'approche juridique, et peu de gens d'ailleurs avaient repéré que dans le programme de la coalition CDU-FDP de Mme Merkel, mise en place en 2009, programme de 2009, figurait un alinéa sur ces fameux droits voisins aux droits d'auteur, afin de préserver les auteurs et éditeurs de contenu. Alors, jusqu'où peut-on aller? À mon avis, on peut tout à fait suivre l'exemple des Allemands. Ils créent un droit à rémunération, qui est à mon avis plutôt un droit à indemnité. Et ils disent, si les deux parties, l'éditeur et le moteur de recherche ou l'agrégateur, s'entendent sur la valeur de ce droit et concluent une transaction, c'est très bien. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, les tribunaux sont là pour valoriser ce que l'agrégateur ou le moteur de recherche devra reverser à l'éditeur ou à l'auteur de contenu. Et le texte lui-même ne se prononce en rien sur la valorisation. Il ne se prononce en rien sur l'évaluation des droits qui seraient lésés et auraient vocation à être indemnisés. Au demeurant, c'est une remarque qui a été faite au cours de son examen par le Bundesrat, la Chambre haute allemande, qui, sur ce type de texte, a une compétence consultative et qui, dans son avis, a exprimé le souhait qu'il y ait une procédure pour encadrer la démarche de valorisation. Mais, en fin de compte, ce sont bien les tribunaux qui décideraient de la façon de procéder. Concrètement, de quoi s'agit-il? Les contenus sont aspirés par le moteur de recherche et ils sont placés à un endroit où ils servent l'efficacité du modèle publicitaire. Ils sont aspirés à un endroit où, en se focalisant sur un sujet, on peut, on le suppose, être plus efficace en termes de diffusion d'un message publicitaire. C'est au vu du chiffre d'affaires concret réalisé par cette opération publicitaire que l'on valoriserait le contenu tel qu'il a été ainsi utilisé pour un usage commercial, alors que son auteur ou son éditeur ne l'avait pas écrit ou conçu pour cela. Alors, Guillaume Champeau, vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette réponse de M. Marigny à votre question? Peut-être rappeler les termes de ma question qui sont jusqu'où, au nom de l'indemnité ou de la rémunération d'une exploitation commerciale, on peut aller dans la protection du droit d'auteur, c'est-à-dire à un moment, est-ce qu'on ne peut pas, en tant que législateur, accepter le fait que des œuvres ou des articles de presse ou n'importe quel type de contenu puissent être utilisés librement sous certaines conditions, qui ne soient pas uniquement la rémunération, mais si on prend le droit d'auteur traditionnel, on a par exemple le droit à une copie privée, chose qui disparaîtrait
avec le droit voisin créé pour les articles de presse. Donc, en tant que législateur, est-ce que vous avez conscience que le droit d'auteur suppose aussi une nécessité d'équilibre entre les droits de ceux qui créent les contenus et le droit de ceux qui exploitent, qui lisent les contenus, notamment sur Internet? C'est tout à fait certain, on ne peut que souscrire à votre analyse. Et je ne suis pas sûr, en revanche, qu'il existe en Allemagne un système aussi perfectionné que le nôtre en matière de rémunération de la copie privée. Et s'agissant du droit français, à mes yeux, rien ne s'opposerait à ce que le dispositif copie privée et un éventuel nouveau dispositif droit voisin au droit d'auteur ne soient complémentaires. Il n'y a aucune espèce de raison, à mes yeux, pour que le nouveau dispositif fasse disparaître l'ancien. Et qui fonctionne, il y a des sociétés de perception de droit, il y a une organisation des professionnels qui encadre ce système, il y a un contrôle qui est exercé par un organe proche de la Cour des comptes, et tout cela me semble fonctionner de manière satisfaisante. Rappelons que les droits de copie privée représentent en France bon an mal an, de l'ordre de 200 millions d'euros, n'est-ce pas, 200 millions d'euros en ordre de grandeur par an, ce qui montre que le système fonctionne de manière efficace. Il ne faut certainement pas y porter atteinte. Alors, merci, monsieur le sénateur, pour cette réponse tout à fait complète. Guillaume, je pense que... Est-ce que cela vous satisfait, cette réponse? Ça va, très bien, merci. Et alors, justement, Erwan Gaucher, je pense que vous aviez aussi une question à ce sujet. Tout à fait. Je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser vous adresser à monsieur le sénateur. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le sénateur. J'ai en effet une question. Moi, si on se projette un petit peu dans ce principe, dans cette Lex Google, et qu'on pense qu'elle est mise en place et appliquée en France, on sait d'ores et déjà qu'une entreprise comme Google va répliquer. Elle a d'ores et déjà annoncé qu'une des mesures qu'elle pourrait prendre, ce serait de désindexer les sites d'information, les sites de presse de son moteur de recherche, ce qui provoquerait en quelques heures, une perte de 15 à 30% minimum de leur audience. Ils l'ont fait en Belgique l'année dernière. Nos confrères du soir ont pu goûter un petit peu à ce qui se passe lorsqu'on n'est plus présent sur le moteur de recherche de Google. Et évidemment, tous les éditeurs qui, d'une main, réclament cette Lex Google pour récupérer un petit peu d'argent, de l'autre côté, expliquent que ce serait aussi un vrai problème. Et en même temps, je ne vois pas, et vous allez sans doute pouvoir m'éclairer, mais je ne vois pas comment légalement on peut demander à Google de payer pour du contenu et l'empêcher de répondre simplement « d'accord, je ne souhaite pas payer, je n'utilise plus ce contenu et je supprime les sites d'information de mon moteur de recherche, je ne suis lié et Google n'est lié contractuellement en aucun cas pour être le plus complet possible sur son moteur de recherche. » Donc je me pose cette question, comment est-ce qu'on va éviter que Google réplique immédiatement en disant « j'enlève les sites d'information français de mon moteur de recherche ». Alors, quand on écoute Google, et il faut toujours écouter toutes les parties lorsqu'il s'agit d'un sujet complexe, la réalité apparaît elle-même quelque peu nuancée. Google dit « mon moteur de recherche, mon site d'actualité Google News » ne font pas apparaître d'insertions publicitaires, du moins de manière directe, de manière systématique. C'est la réponse que la société fait. Elle trouve toujours des réponses apparemment logiques par rapport aux initiatives législatives en la matière, mais cette réponse ne tient pas compte du fait que toute la logique du moteur de recherche est dirigée vers la captation du marché publicitaire. Je dis captation, je ne devrais peut-être pas employer un mot qui a une connotation péjorative. En tout cas, la diffusion de messages publicitaires, l'exploitation
des supports publicitaires sur la toile est le cœur du réacteur Google, tout le monde le sait, et c'est une évidence. Mais il y a là effectivement une réalité qui peut rendre complexes les évaluations de dommages ou d'indemnités à verser à des auteurs ou éditeurs de contenu dont les contenus seraient exploités à des fins différentes de celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ceci est une première chose. La seconde vise la menace de représailles qui émane de Google et qui, elle, a un caractère très antipathique. Il ne faut pas se le dissimuler. C'est même tout à fait à l'opposé de l'image que voudrait donner la firme, toujours du côté du progrès, de la liberté, de la culture, etc. Il me semble que la façon dont les représentants de la firme en France ont procédé a été en tout cas plus que maladroite, diffusant une sorte de note blanche au cabinet ministériel pour mettre en garde, et ceci était bien une menace économique assez difficile à accepter, et je mesure mes mots. Il me semble qu'un groupe de cette importance, géré avec autant d'efficacité, de précision, ne devrait rien avoir à redouter de textes qui ne font que réguler, encadrer son activité et qui vise à y mettre un peu plus de transparence. Cette réaction assez déplorable a été, à mon avis, un peu comme un masque qui tombe, un masque de bonnes intentions. Réaction déplorable de Google, dites-vous, et la question que je voulais vous poser, la suivante, était, je suis très curieux de savoir le regard que vous portez sur la manière dont l'exécutif réagit vis-à-vis de Google. Est-ce qu'ils s'y prennent de la bonne manière ? Est-ce que quand François Hollande reçoit Eric Schmidt à l'Élysée et qu'il dit en substance « Vous avez 3 mois pour vous mettre d'accord, sinon il y aura une loi », est-ce que c'est la bonne manière de faire ? Tout le monde ne semble pas avoir entendu la même chose. j'ai été fort bien reçu rue de Londres. J'en remercie mes hôtes. Les conversations sont toujours passionnantes et utiles avec eux. Je n'ai pas eu le sentiment qu'ils aient enregistré de leur côté cette sorte d'ultimatum. Alors, qu'est-ce qui a mal compris ou qu'est-ce qui a mal énoncé ces conditions dans ce cas ? Écoutez, je n'en sais rien, je n'étais pas là, je n'étais pas la petite mouche qui aurait pu tout enregistrer, donc je préfère ne pas en parler davantage. Maintenant, l'exécutif, il a beaucoup de peine à traiter ce problème, mais à la vérité, le précédent exécutif en avait autant, car les sujets relatifs à l'économie du numérique, à la dynamique des entreprises du numérique, sont des sujets qui prennent place très difficilement dans le temps politique et les modes de raisonnement habituels de nos institutions. Et le pouvoir, lorsqu'il a missionné messieurs Collin et Collin, a pris une excellente initiative. Un conseiller d'État très féru de ces sujets, un inspecteur des finances parfaitement éclairé pour aborder les aspects de politique fiscale. Nous attendons leur préconisation à mi-décembre et je pense que leur rapport sera extrêmement utile. De la même façon, du côté du monde de la culture, la mission très ambitieuse confiée à Pierre Lescure aura aussi le mérite de faire un état des lieux et nous connaîtrons mieux le ressenti, les besoins des acteurs des filières culturelles. À ce stade,
je n'incrimine pas particulièrement l'exécutif. Toutefois, je voudrais qu'il prenne position et qu'il agisse. Et il me semble qu'il doit le faire sur trois plans. Le plan national, peut-être un peu symbolique, mais indispensable au développement du débat public. Le plan européen, qui suppose d'exprimer une volonté et de se placer clairement dans la logique de l'axe franco-allemand. Et en troisième lieu, le plan mondial, c'est-à-dire les discussions qui semblent repartir au sein de l'OCDE pour faire évoluer les concepts de la fiscalité susceptibles de s'imposer au prix de transfert, c'est-à-dire aux relations internes à un groupe multinational, les relations financières, la valeur des transactions réciproques entre les sociétés membres d'un groupe multinational. C'est bien sur ces trois plans qu'il faut agir et que l'on a besoin d'une ferme volonté du côté de l'exécutif. Et je m'empresse de terminer en disant que ce sujet ne fait pas partie de la politique politicienne, que c'est un sujet de société, c'est un sujet d'intérêt national et d'intérêt européen. Très bien, merci beaucoup Monsieur Marini pour cette réponse qui nous amène à la suite de nos échanges, puisque nous allons à présent aborder le deuxième volet de notre débat avec les questions de la fiscalité numérique à proprement parler. Alors je vais prendre la parole au nom de Richard Méneveux qui est excusé ce soir, mais qui avait une question pour introduire ce sujet de la fiscalité nationale, européenne et internationale. Alors, je vous lis sa question, puisque ce n'est pas la mienne. De nombreuses sociétés, principalement américaines, optimisent leur fiscalité au travers d'un dispositif de holding multiple en Irlande, Hollande ou encore dans les Caraïbes. Quelle est votre position sur le sujet? Et la deuxième partie de cette question, c'est donc quelles actions l'État français peut-il engager pour soit développer une fiscalité européenne qui empêche une telle exonération de ses flux financiers, soit pour appliquer une autre forme de taxation à ces sociétés, tout en évitant les effets de bord d'une surtaxation pour les sociétés européennes. Sur votre première question, l'architecture fiscale, l'architecture de l'optimisation fiscale que vous décrivez, n'a rien de spécifique au secteur de l'économie numérique. Mais le secteur de l'économie numérique est un secteur où existent des interlocuteurs très puissants, ayant une claire conscience de leurs intérêts, et qui utilisent toutes les ressources à leur disposition. Ils font de l'arbitrage de législation, et on ne saurait le leur reprocher, peut-être d'un point de vue moral, mais on sait que la morale n'est pas nécessairement la principale motivation des grandes multinationales, quoi qu'elles en disent. Et d'après ce que nous savons, et un journal satirique paraissant tous les mercredis a délivré des informations assez précises à ce sujet, l'administration fiscale française, la Direction des vérifications nationales et internationales, a entrepris une campagne de vérification auprès d'un certain nombre de groupes, et pas seulement Google. Et s'agissant de Google, ce journal évoque un enjeu en droits à redresser supérieurs aux milliards d'euros. Je n'ai naturellement aucune espèce d'idée de ce qu'il y a concrètement dans le dossier, mais ayant lu l'article, j'ai eu l'impression que ces informations étaient puisées à une assez bonne source. De quoi s'agit-il? Une société multinationale, en tirant parti des écarts de législation, l'Irlande, les Pays-Bas, les Bermudes, voire les États-Unis, dans le cas que vous évoquiez, une telle société est amenée à aménager ses structures juridiques pour servir son intérêt économique et en particulier son intérêt fiscal. Le fisc français, lorsqu'il voit que Google France est une société qui verse un impôt un montant annuel d'IS de l'ordre de 5 millions d'euros, peut s'étonner de la disproportion qu'il croit voir entre cette taxation
et le volume des activités de Google en France, telles que les professionnels de la publicité sur Internet le recoupent par différents moyens. Et le fisc français est tout à fait dans son rôle lorsqu'il s'efforce de reconstruire la réalité économique au-delà des apparences juridiques. Il s'appuie sur la notion d'abus de droit qui est très précisément faite pour cela. Percer les apparences juridiques pour restituer la réalité économique et rétablir, redresser le vrai résultat. Pour autant, il faut être en mesure de prouver que sur le sol français existe une vraie entreprise suffisamment autonome et qui décide sans avoir en référé à un centre situé ailleurs, de la façon dont les contrats sont conçus, négociés et des principales opérations de gestion. C'est ce qui est apparemment en débat, si j'en crois, ce journal satirique paraissant le mercredi. Mais je le répète, les comportements comme celui-ci n'ont rien de spécifique à l'économie du numérique et quels sont les moyens pour lutter contre ces comportements. C'est assez complexe parce que nous sommes dans le domaine de l'impôt sur les sociétés. Il existe de par le monde de très nombreuses sociétés multinationales avec des filiales partout et ces multinationales organisent les relations réciproques entre leurs filiales. Il y a des règles qui sont posées dans des conventions fiscales bilatérales entre les États. Et ces règles reposent sur des concepts juridiques, sur des concepts du droit fiscal reconnus internationalement, règles et concepts élaborés au sein de l'OCDE, qui a repris, me dit-on, des réflexions concrètes sur ce sujet, et par exemple, pour tendre vers la définition d'un établissement virtuel stable, ou d'un cycle commercial complet, notion technique qui permettrait, me dit-on, de mieux appréhender la réalité économique des transactions intra-groupes. Mais ce sujet, qui concerne sur un plan économique, sur le plan de l'équité, le secteur de l'Internet, concerne aussi tous les autres secteurs de l'économie. Très bien, je vous remercie, monsieur le sénateur, pour cette réponse qui, j'en suis sûre, satisfera toutes les attentes de monsieur Richard Menneveu. Et je passe à présent la parole à Guillaume Champeau, qui avait également des précisions à vous demander sur la fiscalité internationale, je crois, Guillaume. Oui, alors je vais. La première, je pense qu'on est ici tous d'accord sur le fait que c'est a priori scandaleux qu'une entreprise qui, je pense, à Apple, qui a plus de 120 milliards de dollars. Dans ses comptes, simplement en trésorerie, paye 7 millions d'euros d'impôts en France. Enfin, je pense que ça scandalise tout le monde. Et effectivement, il faut trouver des réponses juridiques, fiscales à ce sujet. J'aimerais savoir, si vous parlez d'une coordination internationale, notamment au niveau de l'OCDE, si l'on voyait des effets concrets sous quel calendrier, c'est-à-dire est-ce que ça peut être dès l'année prochaine ou plutôt dans 5, 10, 15 ans. Et puis sinon, une question plus de fond, même s'il y a la nécessité de s'attaquer à la fiscalité des grands groupes, est-ce que ce n'est pas plus facile de parler de fiscalité des grands groupes plutôt que de s'attaquer au problème de fond, qui est qu'en France, nous n'avons pas de grands groupes comme Google, comme Apple, comme Microsoft à aller taxer et qu'il faut plutôt encourager les petites entreprises à les aider à devenir grandes. Et donc, qu'est-ce que vous faites en tant que parlementaire pour aider les petites entreprises à être un jour invitées, elles aussi, à payer 1 milliard d'euros d'impôts? Alors, vaste sujet, n'est-ce pas? Mais je serais tenté de dire qu'il y a tout un versant des choses dont nous n'avons pas encore parlé, qui est la politique de la concurrence. Car si Google, reprenons cet exemple, mais pourrions parler de manière très voisine d'Amazon, de Facebook, de YouTube, d'Apple, en effet. Mais prenons l'exemple de Google. Si Google a en France 90% de part de marché, Google n'a que 60% de part de marché aux États-Unis, son marché de base, son marché initial.
Et en effet, la question que l'on peut se poser est double. Pourquoi les technologies européennes n'ont pas permis de créer un moteur de recherche susceptible de se mesurer avec Google? C'est notre grand échec collectif, reconnaissons-le. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un problème technologique? Non, ce n'est pas un problème technologique, c'est certainement un problème économique. Et c'est un écosystème qui a fait défaut, et qui a existé ailleurs et n'a pas existé au bon moment en Europe, quel que soit le pays européen, au demeurant, car on bat sa coulpe, c'est une coulpe aussi bien anglaise ou allemande ou italienne que française, hein, pour ne pas parler des autres pays d'Europe qui disposent également d'excellents réservoirs technologiques. Et c'est quand même bien cela la situation où l'on se trouve. On est, en termes économiques, exploité par un quasi-monopole mondial, alors que l'Europe de l'euro est le premier territoire monde pour ces multinationales. Et c'est là qu'elles font le plus de chiffre d'affaires, si on additionne nos territoires, et c'est là qu'elles ont accès à la densité la plus grande de consommateurs ayant un pouvoir d'achat d'un certain niveau. Et donc, notre faute collective, qui est une faute européenne, est extrêmement lourde. Et elle est également lourde en matière de politique de concurrence, car l'Europe, le droit européen, est constitué sur le principe d'un libre marché avec une politique de la concurrence permettant de s'assurer de l'équité dans la formation des prix et dans le fonctionnement du marché, de ce grand marché européen. Or, nous constatons que malgré ce droit européen en principe très protecteur de la concurrence, nous avons en Europe la situation qui se caractérise par la position dominante, la plus dominante que l'on puisse imaginer, au point qu'il y a un certain nombre de procédures en cours d'examen à la Commission, demain à la Cour de justice de l'Union européenne, pour que la notion d'abus de position dominante puisse être appliquée aux situations qui le mériteraient. C'est évidemment un long chemin juridique. Alors, après avoir dit ça, bien sûr, dans notre pays, comme dans les autres pays européens, il faut vivifier l'initiative. Il y a pour cela notamment des pôles de compétitivité, il y a des instituts d'excellence, il y a l'ensemble des actions qui ont reçu une impulsion grâce au grand emprunt de 2010. C'est le programme des investissements d'avenir. Il y a aussi des régimes fiscaux qui ont facilité au cours des années passées, par exemple, les jeunes entreprises innovantes, d'autres catégories de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, bien que je sois par tempérament un peu sceptique par rapport à ces mesures qui sont toujours d'une grande complexité et qui se traduisent aussi par une réelle insécurité fiscale, car une entreprise est très loin d'être assurée d'être toujours dans les clous, dans les conditions qui sont définies pour bénéficier de tel ou tel régime. Je crois que néanmoins, ces mesures ont pu être dans certains cas utiles, mais naturellement, nous sommes très loin du compte. Et la question de savoir si un écosystème permettant de faire émerger de nouveaux grands acteurs de l'économie numérique en Europe existe aujourd'hui, est-il possible? C'est une question qui, malheureusement, demeure ouverte. L'Europe a su créer des géants, des services en informatique. Et quand on regarde des entreprises comme Capgemini Sugeti, comme Steria à son niveau, un certain nombre d'autres aussi, comme Atos Origin, ce sont des entreprises qui sont nées en France, qui
représente une concentration de matière grise tout à fait impressionnante, mais l'innovation remonte aux années 70-80 pour ce qui est du modèle qui a permis à ces grandes sociétés de services informatiques de se développer, parfois avec une histoire complexe. S'agissant de l'Internet, c'est plus récent, ce n'est pas la même génération d'entreprises et nous ne sommes pas parvenus au même succès, il faut bien le reconnaître. Et il n'en reste pas moins que l'on ne peut pas se satisfaire d'une situation où l'on dépend complètement d'un algorithme fait ailleurs, où l'on dépend complètement de par exemple de clés d'accès pour certains programmes qui peuvent être utilisés, dont les conditions d'utilisation peuvent varier d'un point de vue complètement arbitraire. Un dernier exemple, on me citait ces jours derniers le logiciel qui permet de faire une projection cinématographique numérique. C'est un logiciel qui appartient aujourd'hui, qui est susceptible d'appartenir à deux sociétés dans le monde. La principale étant évidemment américaine, et ceci s'impose à toutes les projections avec la technologie numérique de tous les films dans toutes les salles françaises et européennes. Cela donne à réfléchir. Et juste pour la première partie de ma question, sur le calendrier par rapport aux réformes que vous attendez, notamment avec le... S'agissant de l'OCDE, le calendrier, c'est 5 à 10 ans. D'accord. S'agissant de la TVA, qui est aussi un enjeu tout à fait essentiel, calendrier peut-être plus bref. Et ça, c'est un appel que j'ai lancé au pouvoir public français. Engagez-vous, cherchez une convergence avec l'Allemagne en particulier pour poser sur la table de l'ECOFIN une demande d'accélération du passage du taux de TVA à celui de l'état de consommation, car le secteur des services numériques est une exception par rapport à ce principe qui prévaut dans tous les autres domaines de la TVA, et on continue à appliquer jusqu'en 2015, et dans l'état actuel des textes, on continuerait dans une large mesure jusqu'en 2019 à appliquer le taux de TVA de l'état siège de la plateforme, et avec l'exemple du Luxembourg pour Amazon, le différentiel entre le taux de TVA luxembourgeois et le taux de TVA français, cela représente une véritable hémorragie pour nos finances publiques. Avec le risque. En troisième lieu, s'agissant de la loi nationale, bien sûr, cela peut être fait demain matin, mais la loi nationale, elle ne peut viser qu'un espace étroit, par exemple, comme je l'ai proposé, taxer les régies de publicité sur Internet et appliquer une obligation déclarative, de déclaration de leur chiffre d'affaires à celles qui sont basées à l'étranger. Ceci est possible, de la même façon qu'Alex Google à l'allemande, est possible dans les prochains mois, si on le veut. Et même si ces textes ne sont que très partiels et soulèvent certainement beaucoup d'objections, ils auraient le mérite d'afficher une prise de conscience, une volonté, en quelque sorte, le tout début de la reconquête. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à M. Erwan Gaucher, qui, je crois, voulait réagir également sur ces questions. Alors, Erwan, on ne vous entend pas. Allô? Oui. Erwan? On a un petit souci de son. Est-ce que vous... Oui. Ah, non. Est-ce que comme ça... Oui. Non, on vous entend toujours un peu. Pas. Est-ce que voilà. Vous entendez? C'est bon. Oui. Alors, super. D'abord, une petite remarque sur la question que je vous posais tout à l'heure, qui était les possibilités pour l'État de répondre aux menaces de Google. Je me demande, mais ça c'est mon interprétation, dans quelle mesure le fait que les procédures fiscales sur Google sortent dans le fameux hebdo du mercredi ne sont pas justement la réponse que l'État peut apporter aux menaces de Google. Mais c'est mon interprétation. Ma question sur l'Alex Google plus précise, elle est justement...
à qui les revenus d'une telle loi seront reversés. Si l'on taxe Google parce que Google crée de la valeur grâce à, aux articles, grâce au contenu capté par d'autres personnes, on part du principe qu'il n'y a pas que les sites de presse qui créent de la valeur. La valeur, l'information, ce qui rend Google pertinent dans sa réponse à ses utilisateurs, c'est d'être capable à la fois de proposer du contenu qui est présent sur des sites de presse, sur des sites d'info, mais également sur des blogs, mais également sur des forums, mais également sur à peu près tous les formats qu'on peut connaître. Comment est-ce que le produit de cette Lex Google sera reversé? Parce que lorsqu'on lit les demandes des éditeurs de presse, on ne les voit que seuls bénéficiaires de cette manne, alors qu'évidemment, comme certains le font remarquer, ils ne sont pas les seuls à créer les contenus que Google aspire. Et puis, petite question, je vous les donne dans la foulée, comme ça vous aurez l'intégralité. Je me pose aussi la question de savoir s'il est judicieux, comme le prévoit le projet, de taxer le secteur publicitaire en ligne, et donc pas uniquement pour Google, mais également pour les entreprises de presse qui cherchent à développer leur chiffre d'affaires de publicité numérique. C'est le seul secteur de publicité en France qui est en pleine croissance, du coup, pour ne pas faire une loi qui ne concernerait que Google, on taxerait également ce secteur qui est le seul sur lequel aujourd'hui ils peuvent compter pour multiplier leurs revenus. Alors, s'agissant de votre seconde question, la publicité audiovisuelle, la publicité dans la presse font l'objet de prélèvements, pas la publicité en ligne. Et l'équité voudrait que les différents supports soient bien traités de la même façon. Pardonnez-moi, j'ai perdu en marche votre première question. La première question, c'est qui bénéficierait de l'argent récolté. Pardonnez-moi. Ce n'est pas une taxe, c'est une indemnisation. Cette indemnisation va à l'auteur ou à l'éditeur. Et si l'on suit la logique allemande, là, je ne peux commenter qu'un texte existant, c'est-à-dire le projet de loi du gouvernement de Mme Merkel. Et il s'agit bien d'une démarche indemnitaire, et soit l'auteur ou l'éditeur se met d'accord avec l'agrégateur ou le moteur de recherche sur le montant d'une transaction et se déclare désintéressé. Il estime que ses droits ont été correctement valorisés, soit ce n'est pas le cas. Dans cette dernière hypothèse, le tribunal compétent décide. Mais dans tous les cas de figure, il s'agit d'une indemnité versée à l'auteur ou à l'éditeur du contenu, c'est-à-dire à la personne qui s'est manifestée et qui fait valoir ses droits. Dans la conception française, j'entends dire qu'il pourrait y avoir une certaine répartition par voie professionnelle, par l'intermédiaire d'un organisme proche de ce que sont les sociétés représentatives des droits d'auteur. C'est tout à fait possible. La logique allemande, telle qu'elle a été conçue au moins dans la première mouture du texte, celle qui a été examinée par le Bundesrat, elle est dans une logique purement indemnitaire. Il n'est pas à exclure qu'en Allemagne, la discussion se poursuive, que le texte ne soit complété. Dans ce cas, on pourrait imaginer qu'il y ait une redistribution, au moins d'une partie des indemnités, sur une base professionnelle et grâce à l'intervention d'une société de perception des droits d'auteur ou des droits voisins. Alors, une société ou plusieurs selon les branches d'activité, mais nous connaissons déjà cela de notre côté du Rhin, puisque c'est comme cela que fonctionne le système de la rémunération pour copie privée. À mon avis, on pourrait en France tout à fait étendre ou transposer le système de la redevance pour copie privée. Si je peux me permettre de prolonger cette question. Je vous en prie. Oui.
Vous savez que sur la copie privée et plus généralement les sociétés de gestion de droits d'auteur, il y a de nombreux rapports innombrables maintenant qui critiquent la façon dont ces sociétés de gestion sont gérées elles-mêmes, et notamment une grande opacité dans la répartition des sommes. Et puis vous avez le dernier rapport de la Cour des comptes sur les sociétés de gestion critique, une espèce de galaxie, c'est comme ça, c'est leur terme, de la galaxie SACEM, où vous avez des frais de gestion qui sont prélevés par de multiples sociétés en poupées russes. Qu'est-ce que, si jamais l'Alex Google devait aller jusqu'à instaurer un système de type droit d'auteur, quelles garanties vous pensez apporter pour éviter qu'on ait les mêmes dérives en matière de droits voisins de presse qu'avec les droits d'auteur et de copies privées? Alors, c'est un vrai sujet, une vraie préoccupation. Comme vous le savez, en matière de copies privées, selon la loi de 2005, ce n'est pas la Cour des comptes qui contrôle directement ces sociétés de répartition, c'est une commission ad hoc, mais qui émane de la Cour des comptes et qui est présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, qui prend son rôle très très au sérieux, qui a, je l'ai auditionné, émis un rapport public, où se trouvent en particulier les remarques dont vous vous êtes fait l'écho. Tout cela implique des réponses, des remises en ordre, et quand j'ai auditionné les représentants de la SACEM d'un côté et par ailleurs d'autres organismes du domaine, j'ai eu le sentiment que les observations étaient prises tout à fait au sérieux de ces sociétés de le faire, car il s'agit bien, en matière de copie privée, il s'agit bien d'une rémunération, mais d'une rémunération créée par la loi et qui doit être répartie de manière transparente et en évitant les conflits d'intérêts, parce que c'est ça la question que l'on peut se poser, n'est-ce pas? Dans un petit milieu professionnel, on peut être tenté de se répartir entre soi une grande partie de la manne et puis de ne pas en laisser beaucoup pour d'autres qui seraient peut-être dans une situation analogue. Il est tout à fait vrai qu'il faut veiller à cela. Peut-être est-ce d'ailleurs en se fondant sur de telles craintes que le gouvernement allemand, pour ce qui le concerne, dans la première mouture de sa loi, n'avait prévu que l'indemnisation directe, car ceci permet de chinter les problèmes d'organisation corporative qui ont, bon, les organisations corporatives ont leur charme, mais aussi quelques limites. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de notre débat. Donc je voudrais laisser la parole à Antoine Bayet, qui avait également une question pour vous. Et puis, on écoutera une ou deux questions parmi celles qui nous arrivent sur Twitter et via l'espace presse du Sénat. Antoine Bayet, je vous laisse la parole. En fait, je vais faire un petit sous-titrage de certains propos qu'on a eus. Et qui, pour vous poser une question assez directe, on a parlé entre nous là de l'hebdomadaire satirique du mercredi, etc. Il se passe quelque chose d'assez étrange, enfin d'assez marquant, c'est que depuis juin, chaque contrôle fiscal contre Microsoft, contre Google, est détaillé effectivement dans le Canard enchaîné qui balance tous les détails, le nombre d'inspecteurs, les sommes réclamées, etc. Et la semaine dernière, en point presse, Najat Vallaud-Belkacem a même raconté « On va laisser le canard enchaîné nous informer ». Citation. Est-ce que ce n'est pas une espèce d'impuissance du politique que d'en arriver à cette situation-là? On n'arrive pas à réguler, donc on balance. On balance des chiffres qui sont de plus en plus astronomiques. 1 milliard, 1 milliard 7. Finalement, on n'y comprend plus grand-chose. Est-ce que vous allez évidemment m'assurer l'inverse? Vous allez m'assurer que le politique n'est pas impuissant? Néanmoins, cette succession de scoops consécutifs, successifs, qu'est-ce que ça vous inspire? Mon sentiment, je peux me tromper, est que le gouvernement n'y est strictement pour rien. Mais il existe dans l'administration des finances des partenaires sociaux, il y a en particulier un syndicat au sein de l'administration des impôts
qui s'efforce de faire passer ces messages. Bon, je fais cette allusion connaissant un peu le milieu, mais bien entendu, vous savez fort bien qu'un journaliste du Canard Enchaîné se ferait griller plutôt que de révéler sa source. Donc, je n'ai aucune espèce d'idée de la manière dont ces informations ont cheminé. Simplement, quand on les lit, elles apparaissent techniquement tout à fait élaborées et tout à fait vraisemblables. Alors, bien sûr, les chiffres sont des chiffres très élevés, parce que s'il s'agit d'une notification de redressement ou d'une notification à venir, à intervenir, elle prend en compte toute une... le passé, elle ajoute des intérêts de retard, des pénalités pour mauvaise foi, ou que sais-je, toute chose qui allonge la note. Mais là, ce n'est pas une situation différente, il n'y a que le chiffre et le nombre de zéros qui diffèrent entre la vérification de Google et celle d'un contribuable quelconque. Ok. Très bien. Alors, je vais vous faire parvenir, Monsieur le Président, l'une des questions qui nous est arrivée par le site. Actuellement, combien l'État perd-il d'argent pour son budget du fait de la distorsion du marché européen qui favorise donc des marchés comme l'Irlande ou le Luxembourg? Les internautes ont besoin de chiffres. Est-ce que vous en avez Alors, en impôt sur les sociétés, à vue de nez, on peut estimer que la perte annuelle de ressources est de l'ordre de 500 millions d'euros. Et en TVA, du fait de l'écart de taux dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut considérer que la perte, le manque à gagner, est inférieure à 1 milliard d'euros, peut-être de 800 millions d'euros, 900 millions d'euros, chiffre incertain parce que ce ne sont que des recoupements opérés par les professionnels tant que n'existe pas cette fameuse obligation déclarative des flux transitant par les régies de publicité sur Internet, chose que je demande. Donc on peut considérer, en étant prudent, que impôt sur les sociétés plus TVA, il nous manque chaque année 1,3 milliard d'euros, quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que ces chiffres progressent vite parce que le marché publicitaire sur Internet est en forte expansion, 15% par an, par exemple. À mon avis, c'est l'ordre de grandeur des taux de progression annuels. On voit donc que les enjeux sont fortement croissants. Et si la prise de conscience des États n'a été, somme toute, récente, c'est parce que les ordres de grandeur d'il y a 4 ou 5 ans étaient très inférieurs. Donc, attendre jusqu'en 2019 en matière de taux de TVA serait proprement suicidaire. D'accord. Pendant ce temps-là, c'est vous et moi qui payons le même argent. Merci beaucoup. On arrive donc à la fin de ce débat. Donc, je voudrais vous remercier à tous pour la qualité de cet échange. Et puis, je vais vous laisser 30 secondes à chacun. Donc, Antoine Bayet, Erwan Gaucher, Guillaume Champeau pour dire vos derniers mots avant la fin de ce débat. Et je laisserai... donc, le mot de la fin à Monsieur Philippe Marini qui conclura cette vidéo-bulle qui était un inédit dans la vie numérique française. Voilà, Antoine, je vous laisse la parole en 30 secondes pour votre dernier mot. Très simplement, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand vous répétez que exécutif après exécutif, il y a des difficultés pour traiter la question. Faire du numérique un sujet apolitique, enfin... on mesure la difficulté que cela doit pouvoir être et la nécessité qu'il y ait à agir là-dessus. Erwan ? Alors, si vous m'entendez, je ne sais pas si c'est le cas, mais mes derniers mots seraient sans doute pour être un petit peu quand même malgré tout étonné que l'on passe par la loi, alors même que l'on reconnaît justement que le temps de la loi est très différent de celui de l'évolution du numérique. Je ne suis pas sûr que la loi soit la réponse qui puisse se faire la plus efficace en la matière, mais je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Merci Erwan. Guillaume.
Alors moi, simplement pour dire de ne pas négliger les effets, notamment sur Alex Google, les effets collatéraux de la loi. Je me souviens en 2009, quand il y avait eu la première ébauche de la taxe Google, on avait dit ça va toucher tout le monde sauf Google. Et malgré tout, le Parlement s'était obstiné et la loi avait été votée. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas avec la Lex Google si jamais les parlementaires identifient des problèmes causés par cette loi qui pourraient être plus importants que les réponses qu'elle espère apporter. Monsieur le Président de la Commission des Finances, si vous voulez bien conclure ce débat. Tout d'abord, j'ai été très heureux de me trouver dans cette bulle et je suis tout à fait prêt à recommencer l'exercice sur ce sujet qui intéresserait les internautes et pas seulement la fiscalité du numérique. Et ensuite, s'agissant de ce sujet que nous avons traité, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile. Quand on le prend par un bout, il y a un autre bout qui s'échappe. Il s'agit d'une réalité économique et d'entreprise très évolutive, très complexe à saisir. Mais en même temps, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des internautes, qui concerne donc l'ensemble de l'opinion publique. C'est un sujet grand public, c'est même presque un sujet de société, car des entreprises, aussi remarquables soient-elles, qui créent et imposent leurs lois sur notre territoire, dans une pure logique économique et d'optimisation fiscale, c'est quelque part pour moi une négation de la démocratie. Et je crois qu'il faudra trouver dans les années à venir la juste régulation pour que les bénéfices de ce développement économique puissent être largement répartis dans une période où on a bien besoin de dynamisme de l'économie et d'esprit d'entreprise, mais en même temps pour que le politique garde sa place, car une société dans laquelle on élirait des représentants totalement impuissants serait une société vouée au désordre, à la violence et aux extrémismes. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à tous les intervenants et à Monsieur Marini pour vos interventions. À bientôt. Au revoir. Au revoir.